Salut à tous, c'est Jet Shotgun. Je suis sur la dev build d'Arma 3. Donc ils ont aujourd'hui donné l'accès à Altis. Donc la map la plus grande d'Arma 3 a priori. Qui fait donc 270 km². Pour référence, Tchernarus en faisait 225. Donc Tchernarus, la map la plus grande de Arma 2. Et pour les plus grandes cartes du monde du jeu vidéo, on a Just Cause 2 avec 1024 km² et True Crime sur PS2 à 620 km². Sauf que voilà, donc alors Just Cause 2, pour avoir moi, je trouve qu'elle est plutôt pas mal, mais après c'est beaucoup de deals, c'est peu détaillé hein, quand même. Et évidemment, et évidemment, True Crime, c'est des bâtiments génériques, c'est de la PS2, hein, c'est du carton. Hein. Sauf que là, pour Altis, elle est à la fois très grande et très diversifiée, c'est-à-dire que on aura beaucoup de bâtiments ouverts, des zones urbaines relativement grande. On va commencer directement par Kavala, qui est l'une, si ce n'est la plus grande zone urbaine de l'île. Kavala, dont je me suis éloigné au lieu de me rapprocher. C'est très malin, Jet Shotgun. Donc, comme vous voyez, on a aussi des petites îles comme ça qui pourraient faire des batailles navales relativement sympas, notamment quelques épaves, d'après ce que je vois. Pour info, je découvre en même temps que vous, hein, c'est-à-dire que j'ai pas encore testé. Là, je viens à peine de commencer à jouer. Je pense que dans tous les cas, il y a pas vraiment de. C'est le jour où on connaîtra cette map par cœur, il n'est pas encore venu. À moins de vraiment faire un marathon. Donc comme vous voyez là, il y a quelques petites des petits aérodromes. Ah bah c'est là d'où je viens, je crois, en fait. Suis-je bête? Donc là on a la ville de Zeros. Alors attendez, je vais mettre le GPS comme ça. Sauf que c'est pas Zeros du tout, c'est. Ok. Bon, là je l'ai recon. C'est pas Zeros, c'est. Voilà. C'est Terissa. C'est Terissa et la ville de Zeros, c'est celle-là, celle qui est en face de nous. Donc, la ville de Zeros, elle est. Je dirais qu'elle est à peu près de la taille de la. Peut-être un peu plus petite que la Jamarina. C'est vrai que la Jamarina faisait une anse autour de la mer. Non, c'est quand même plus petit. Joli terrain de foot. Pratiquement tous les bâtiments sont visitables. Hein. Je crois bien que. Je pense pouvoir le dire. Hein. Pratiquement tous les bâtiments sont visitables. Éventuellement, on n'aura pas accès à toutes les pièces nécessaires forcément, mais alors là, on a une espèce de monument. On a aussi des bases militaires, comme on peut voir là-bas. Beaucoup de fermes. Là, on s'approche d'une région montagneuse. Des espèces de lacs artificiels qui sont pas remplis. À la base, Altis, c'est une île volcanique, donc le paysage et l'environnement, il reste relativement proche de celui de Stratis, bien évidemment, puisqu'il s'agit dans tous les cas d'un environnement grec, plus précis, enfin, oui, il s'agit d'un environnement grec et méditerranéen. Donc c'est vrai qu'on reste un peu dans la même ambiance Olivier et Garrigue de Stratis. Wow. Voilà, donc on arrive à Kavala qui est, comme vous voyez, beaucoup plus étendue que la Gia Marina, avec des bâtiments beaucoup plus grands, qui je pense sont aussi visitables, et de ce que je vois, une espèce de forteresse qui domine la ville. Alors ça, c'est vraiment très sympa. Un hôpital qu'on peut voir ici, excusez-moi du lag. Voilà, donc ça m'étonnerait pas hein, que tous ces bâtiments soient visitables, enfin, ce sera testé évidemment.
J'ai les poils au cul et ça me tient chaud. Tu fais chier, mec. Je sais, t'es en vidéo. J'ai oublié d'enlever Skype en plus. C'est pas grave, je me tais. Voilà, ça c'était pour Kevala et c'était Zico évidemment qui vient de me casser les couilles. Hello to you. On va continuer notre petite visite. Ouais, alors, continuez, faites pas attention à moi, j'enlève mon jean, mais c'est pas grave. On va voir Magos et faites vraiment pas attention à l'autre con là, on fait avec. Hein. Non mais vas-y, hein, tu peux t'exprimer, tu peux me poser des questions sur ce jeu auquel tu ne peux pas jouer parce que t'as une config de merde. Hein. Ah bah non, mais tu t'es pas posé la question déjà, pourquoi je t'en pose pas? Parce que t'as les boules? Non, parce que j'en ai rien à carrer. Alors, non, je rigole. Une petite visite. Mais peut-être que tu pourras me dire ce que t'en penses en fin de vidéo, comme bah, je vais te dire maintenant, comme ça pourra un peu alimenter. Comme tu veux, parce que moi j'ai bien envie de savoir ce que tu en penses. Voilà, l'île est tellement grande que c'est juste impossible de tout voir, quoi. J'essaie de faire un résumé, mais c'est vraiment très très dur parce que l'île est vraiment gigantesque. Pour te dire, alors les deux premières fois où je l'ai lancé, le jeu a planté parce que ma distance de vue était mise au maximal et Elle est vraiment beaucoup plus grande que Tchernarus. Elle est 50 km² plus grande que Tchernarus. Donc Tchernarus faisait 225 km² et elle fait 270. Donc pas non plus beaucoup plus grande. Oui, mais c'est déjà pas mal. Après, tous les bâtiments sont pratiquement tous les bâtiments sont visitables. C'est cool ça. Quoi d'autre? Les zones urbaines sont beaucoup plus étendues que celles de Tchernarus. Ouais, donc, plus à quelque chose, non? Oui, il y a des grands bâtiments. Bah, plus à quelque chose, je sais pas, parce que. Graphiquement, c'est beaucoup plus beau, ça c'est sûr. Hein. Ouais, bon, ça c'est normal. Mais après, je trouve que les villes de Tchernarus étaient pas mal non plus. Hein. Enfin, je veux dire, Tchernogorsk. Bon, c'est vrai que les bâtiments se répétaient peut-être un petit peu, mais là c'est pas non plus. C'est pas non plus très différent, quoi. Les bâtiments se répètent forcément. Ils vont pas faire un bâtiment unique pour. Ouais, non, mais c'est, ouais, ça c'est sûr que c'est un peu. Faire 500 bâtiments uniques pour chaque ville. Quoi. Mm. Moi, ce que j'essaie de voir, c'est un peu la variété des environnements, parce que pour le moment, je me retrouve un peu avec toujours les mêmes choses. Il y a l'air d'avoir une espèce d'espace un peu enneigé, donc ce serait sympa. Enneigé ouais. Ou. Ah, carrément ah, oui. Ben, je crois, ouais, je crois, je vais aller voir. Je vais te dire ça. Ce serait bien que tu puisses. Si peut-être que le temps que tu ailles, si je peux ajouter quelque chose. Vas-y. Non, parce que je suis pas mal la Gamescom en ce moment, et donc j'ai vu un peu les jeux tourner sur PS4, mais pas sur un PC qui émule la PS4, hein, vraiment sur la PS4, ouais. Ou même la Xbox One. Mmh. Donc pour tous ceux qui en avaient marre de tout ce qui est anti-aliasing. Tout ça sur les jeux, notamment Assassin's Creed, qui était pas mal à ce niveau-là. Et bien anti-aliasing sur PS3 Ouais, sur PS3 et sur console en général. Il y avait des problèmes aussi de rayures, tu sais, ça faisait pas beau, c'était pas très beau encore. Mmh. C'était beau, enfin c'est joli, mais enfin bon, tout ça c'est fini sur les consoles next-gen. Mmh. Et pour parler de Assassin's Creed 4 Black Flag, plus en précision. Alors maintenant, ça n'existe plus, ça se passera plus en trois villes comme on a l'habitude en général, tu sais, bon. Ouais. C'est trois villes, on va dire. Donc dans le dernier, c'est Boston, New York et la villa avec la forêt, enfin voilà. Je vais pas me dire, je vais pas finir. Ah oui, merde. Bon, bah voilà, c'est Boston. New bon. York, c'est classe. Ouais, New York. Et dans les autres, c'était Venise, Florence, tout ça. Rome et tout ça c'est fini, c'est un open world complet. D'accord. C'est complètement un open world. C'est-à-dire vous pouvez aller la terre entière. Vous pouvez aller partout où vous voulez. Donc bah c'est Non, mais c'est pas possible quand même. Si vous vous déplacez, bah il y a qu'une carte en fait. Il y a oui, entre les villes, il oui, y a pas de chargement ni rien, ça j'ai Il y a plus de chargement, il y a qu'une carte. Tu peux te balader avec donc t'as ton bateau et un équipage et tout ça, donc tu peux aller où tu veux, tu peux découvrir des. Il y aura des petites îles à découvrir, tout plein de trucs. C'est un open world, en fait. Je peux pas faire mieux que ça. Après, on sait pas précisément quelle ville ça sera. J'ai l'impression qu'on est un peu en train de se diriger vers une génération uniquement open world, en fait. Tu trouves pas? Avec Watch Dog, sans S, je crois. GTA V, qui est, alors ça, qui va être immense. Oui, mais alors attends, oui, bon.
Mais Assassin's Creed, ça restait une sorte d'open world. Hein. Oui, bah tout On a à fait. toujours eu l'aspect. Ah oui, carrément, carrément, oui, bah de même que GTA, hein, Et jusque-là, Mais non, mais maintenant, oui. les technologies, ça te permet de faire des trucs mais gigantissimes, mais c'est vrai qu'ils en profitent. Mais après, bon, c'est vrai que c'est sympa de retourner un peu à des jeux guidés et dirigés des fois aussi, hein, je trouve. Ouais, non, mais peut-être. Je sais pas, moi je t'ai donné les informations. J'en ai plein d'autres, des petites informations, mais bon, c'est pas capital d'en parler. Par exemple, donc vous commencerez avec un petit bateau. Après, il faut recruter vous-même tout le matériel, tout le personnel de votre équipage, tout ça se recrute toi-même. D'accord. Lorsque tu meurs, enfin que tu perds ton bateau, il faut, et ton équipage par la même occasion, il faut que tu rachètes tout. Ah, Faut que tu c'est sympa rachètes un aussi. équipage, un bateau et Ah tout. oui, donc ça t'oblige à prendre soin. Donc c'est alors pour Ça juste. t'oblige à prendre soin de. Oui, tu peux pas aller. Ouais. Tu peux pas foncer tête baissée, quoi. Excuse-moi, je reprends un peu Non, mon. mais t'as raison. C'était juste en attendant que tu atterrisses. Ah, donc c'est bien un désert en fait, hein. On a une espèce de grand désert. Désert blanc? Désert normal en fait. Ah non, mais C'est je blanc croyais que sur tu la me disais que carte. c'était enneigé. Sur la carte, je croyais que c'était enneigé parce que c'était blanc. Bon, c'était tout plat, donc je me disais un peu un désert de neige comme ça, bizarre, de nulle part, c'est un peu chelou quoi. Mais c'est une espèce d'étendue de sable à côté de la mer. Ok, Alors je peut-être vois. qu'ils vont faire quelque chose à la place, hein, ça reste une Oui, petite c'est vrai que île. c'est. Donc alors, je vois qu'il y a énormément d'accès de route. Je vais essayer d'aller à Pyrgos, voir ce que ça donne, mais il y a trop de trucs, c'est impossible. Il y a des châteaux notamment, des ruines de châteaux. Et puis de la montagne, des champs, J'ai pas entendu. Il y a des châteaux, par contre, dans le. ouais, des ruines de Oui, château comme c'est dans ça, pardon. Tchernobyl. Et de la montagne, des champs, des forêts de pins. Tu savais que la moitié de Tchernarus, c'était couvert de forêts? Ah, pas mal. 100 km, enfin près de la J'avais moitié, jamais fait 100 km attention. carrés de Tchernarus, c'est de la forêt. Bon, là ils ont un peu varié quand même, hein. Il y a quand même pas mal de paysages. Bon, ça manque. Moi, il y a un truc qui me choque un peu, c'est que ça manque quand même de relief, hein. De relief, ah, Ouais. c'est un peu plat, c'est parce que Bah, ça dépend des endroits, hein. Il y a des endroits. Ah! Ça dépend ah. des endroits! Il y a des endroits, docteur Von Schlamouf, où c'est relativement élevé. Des montagnes! Et Ah, des mieux montagnes et des parce que par rochers exemple partout! la carte Pakistan était pas mal en relief. Oui, peut-être même un peu trop, mais elle était complètement nue par contre, elle était à poil. Ah, j'ai des marécages là. Poil la peau. Les marécages, ça peut être sympa aussi pour faire des missions un peu avec une difficulté Marécageuse. supplémentaire. Ouais. Ça, c'est des trucs qui vont rajouter dans le Tchernarus Plus, ça, des marécages, qui est donc la map qui va être utilisée pour DayZ. Ouais. Ah là, je sens. Vas-y, dis-le. Dis tout ce que Non. t'as à dire. Si, 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 Sur vas-y. des aides. Ouais. Non, mais tant Non. qu'on est là, moi je fais des longs trajets où j'ai rien à dire. Moi, je trouve que c'est intéressant ton point de vue. Donc, enfin, de toute façon, c'est Non, le mais point de vue de mon point beaucoup de de vue, il gens. est Hein. presque le même que toi, sauf que toi, t'es moins déçu que moi. C'est tout. Et moi, je Oui, suis c'est ça. profondément déçu par Par leur com. leur incapacité à communiquer avec la communauté. Enfin, à communiquer correctement avec Non, toi. mais moi, après, ce dont on a discuté, j'y réfléchis. C'est vrai que s'il y a beaucoup de gens qui commencent à se lasser de ce jeu, enfin de l'annonce de ce jeu, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. C'est vrai que, bah voilà, il y a une signification. Après, voilà, moi, je pense qu'il faut savoir être patient. Tu vois, c'est pareil, tu vois, enfin, je sais pas, ils auraient pu lâcher une alpha et tout ça. D'ailleurs, il y a eu une fuite d'une pré-alpha qui était même pas L'alpha, officielle. mais apparemment, Hein? c'était pas terrible, hein, cette Bah, c'est pré-alpha. normal, il y avait rien, il y avait même pas les zombies. Oui, je sais. Mais bon, voilà, tu vois, ils auraient pu nous lâcher un truc comme ça, mais ils l'ont pas fait, je pense. Remarque, ils vont le faire. Non, mais je sais pas, mais c'est vrai que leur com était décevante, je suis d'accord avec toi là-dessus. Oh, il y a des beaux bâtiments chiants, on peut les visiter. Mais ouais, franchement, pour ce qui est des aides, on va voir, on va voir. Je pense que des aides, il va falloir être un peu patient. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas finir par l'annuler, parce que là, ils déconneraient vraiment, quoi. Déjà que bon, c'est vrai Mais moi, qu'ils. c'est ça qui me fait de plus en plus peur. Mais bon, ils étaient là à la Gamescom,
Ils avaient un stand avec Arma 3 et tout. Bon, je pense que s'il y avait moyen que ça s'annule, ils ne seraient pas allés jusque-là. Mais, non, sans doute pas. Mais ça peut prendre du temps, en fait. Et je pensais pas qu'ils mettraient autant de temps. Ouais, moi non plus, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez décevant parce qu'ils nous avaient dit une date de sortie, je sais plus. Toi, ils avaient donné carrément une date ou non, une période de sortie. Une peut-être. Période de sortie qui s'avérait complètement fausse, ça c'est sûr. Après, ouais, ils sont. Mais en fait, non, mais la vérité c'est que le problème c'est qu'on leur jette la pierre, mais. C'est-à-dire qu'ils avaient. Dean Hall avait donné sa date de sortie, enfin sa période de sortie. Et au bout de quelques semaines, il s'est rendu compte que ça lui plaisait pas. C'est lui qui a tout d'un coup dit, oui, bah non, on refait tout. Ouais, ça va pas. Que ça de, ils étaient repartis. Lui, ça lui avait pas plu, que ça lui plaisait pas. Voilà. Donc, alors moi, j'admire. Enfin, d'un côté, j'admire ça parce que voilà, ils vont pas sortir un jeu de merde juste pour faire plaisir à la communauté et pour faire des sous. Alors que et du coup, encore plus décevoir la communauté quand je sors, tu vois. Parce que comme je te l'ai dit la dernière fois, hein, moi je préfère le, attendre. Le risque c'est que maintenant il y a de moins en moins de gens qui l'attendent. Hein. Moi c'est bon, comme ils ont redonné signe de vie juste à la Gamescom, à la limite, j'en aurais pas eu de nouvelles, ça m'aurait fait ni chaud ni froid comme je te l'avais déjà dit auparavant. Mais bon, voilà, j'espère que la Gamescom ça les a peut-être relancé un peu là pour nous balancer des infos. D'ailleurs, je peux peut-être faire un petit récapitulatif des informations de la Gamescom Oui, vas-y. Je suis le journaliste. Mais surtout, oh, il y a un truc de carte. Je viens de passer au-dessus d'un machin de carte, je te jure, à carte, tu sais, carte bagnole quoi, les petites bagnoles. Oui, du karting. Ouais, du karting. Enfin, oh, tu peux comme ouais. Ça je verrai, je fais la vidéo. Je suis passé au-dessus donc tu verras bien. Non mais oui, d'accord. Bon alors, qu'est-ce qu'on a appris à la Gamescom de nouveau? Donc des fonctionnalités. Hein, parce que t'as fait déjà une. Non, j'ai parlé d'Assassin's Creed parce que j'ai eu des informations aujourd'hui. Là, je vais vous parler de DayZ. J'aurais pas d'autres jeux en particulier parce que bon, Watch Dogs, ils ont rien fait de nouveau. Ouais. C'est, y a rien eu de nouveau. Hein. C'est comme le Splinter Cell, là, super joli. Non, pas Splinter Cell. Alors, je dis de la merde. L'autre là. Enfin bref, pas le Ghost Recon, le Tom Clancy's là, le Tom Clancy's, le ouais. Survival, comment il s'appelle déjà? Ouais, voilà, le Survival Tom Clancy's là. Ah, oh, je sais plus comment il s'appelle. Je pense qu'ils vont voir de quoi on parle. Ouais. Donc bon, il n'y a pas eu de grosses nouveautés sur ces jeux. Si j'ai une petite nouveauté, c'est pas vraiment une nouveauté, je pense qu'ils le savent, sur Battlefield 4, il y a un nouveau système qui s'appelle l'évolution. D'accord. Et tu en as entendu parler ou pas ? L'évolution, oui, c'est les cartes qui changent, les gros bâtiments. Les cartes qui changent et tout ça, donc voilà. Alors, pour en revenir à DayZ, parce qu'on va pas s'égarer, si je trouve d'autres informations à communiquer, je le dirai après. Donc on aura maintenant la possibilité de réaliser une transfusion sanguine entre joueurs, ça on l'avait déjà. Les impacts seront localisés. Donc c'est-à-dire que si vous prenez une balle dans la jambe, vous boîterez de la jambe sur laquelle vous êtes pris la balle. Pareil pour le bras. Enfin, le bras, vous boîterez pas du bras, mais vous aurez du mal à tenir votre arme. Je suppose que sur l'écran, ça se verra par un petit penchement. Enfin, ça, on verra. Les saignements seront localisés également. Vous ne saignerez pas comme du dos, là, comme sur le... Ah oui, comme les saignements seront localisés. Refonte des villes et refonte de la map. Je dis pas le nom de la map parce qu'ils se sont un peu trompés. Voilà. Ils ont ajouté des bâtiments. C'est Tchernarus plus après. Donc un système spécialisé apparemment. Je vais en revenir bientôt. Et les chargements et déchargements des magasins aussi. C'est des fonctionnalités qui ont été ajoutées. Ça. Donc ensuite, le gameplay. Donc en fonction des blessures, comme je disais, et de manière plus poussée, votre gameplay sera modifié. Une balle dans la jambe gauche vous fera boiter. Pareil pour la jambe droite. Donc dans le bras, ça affectera le port de l'arme, comme je l'ai dit. Qu'est-ce que je pourrais ? Nouveaux bâtiments, j'ai déjà dit. Nouveaux lieux.
Et voilà. Et le son également, les sons, ils subiront une retouche avec l'ajout de la spécialisation similaire au système Acre présent sur Arma pour ceux qui connaissent. Ouais, ça peut... le mode de radio. Voilà, ça peut être intéressant. Qui est très bien pour l'immersion d'ailleurs. Sur Arma 3, il y a une sorte de bêta de ce mode qui malheureusement est plein de bugs. Mais sur Arma 2, moi j'ai fait beaucoup de missions avec ce mode et c'est vraiment très très immersif. Quoi. Et donc il faut savoir que toutes les nouveautés qui vont apparaître, ils vont être plus poussées pour l'aspect friendly du jeu que pour le côté PVP, parce que Dean Hall, il veut en faire un jeu friendly et non PVP. Oui, qui te pousse à coopérer que... avec les inconnus et tout ça. Je trouve que c'est intéressant, ça. Bah, je peux vous lire un petit passage de presse qui n'est pas de moi, mais au moins vous saurez. Donc, nous connaissons tous le poids de la mort dans un jeu de survie, par exemple dans Infestation. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Infestation, c'est The War Z. The War Z. Les seules options possibles sont la fuite, la mort ou la victoire. En soi, des issues forcent implicitement à engager un combat et non pas à coopérer, car il n'en ressort généralement rien. Sur DZ Standalone, Dean Hall veut casser avec cette mécanique de mort humiliante et pénalisante. Il propose donc de se rendre, de coopérer et même d'afficher clairement son attention en prenant des objets, en portant des poches de sang pour apporter secours par exemple. Donc ça veut dire qu'on aura peut-être possibilité de se rendre, je sais pas par quel biais, certainement en levant les mains ou une connerie comme ça. Par contre j'ai pas compris leur truc en prenant des objets, mais oui ça doit être ce qu'ils disent là, les blood bags ou des trucs comme... peut-être en brandissant des objets, tu vois. Même peut-être un drapeau blanc, tu sais. Oui, ça se trouve. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de voir ça. Après, moi, j'avais souvenir, je sais pas pourquoi j'avais souvenir que tu m'avais dit. Ah oui, il y avait des. J'allais en venir. Système de craft. Système de craft. Vas-y. Va faire son apparition. Par exemple, vous trouvez un tuyau, vous pourrez le combiner à une poche de sang que vous auriez trouvé, donc les deux se combinent et ça va vous permettre de pouvoir prendre du sang de quelqu'un ou quelqu'un peut vous faire don de sang du coup. D'accord. Grâce à la combinaison du tuyau et de la blood bag. D'accord. Donc si votre pote a du sang et que vous êtes vraiment en dèche de sang, bah il peut vous en passer un peu. L'histoire de pas être trop squishy le temps de trouver une blood bag, je savais que t'allais le faire. Ouais, attends, je pouvais pas le laisser passer celui-là. Faudra que t'augmentes un peu ton micro, enfin que tu fasses quelque chose parce qu'on t'entend moins bien. Ouais, je sais, mais c'est si je peux rien faire. Ouais, je sais. Enfin bref. Voilà. D'accord. C'est pour des aides. Voilà, bon bah, je pense qu'après il y a des trucs, mais c'était pas nouveau. Genre, apparemment, on pourra se battre sans tuer l'autre. Se battre à main nue. Mais ça, je l'avais lu il y a longtemps, donc c'est rien de nouveau, je pense. Je pense que tu savais déjà ça, peut-être. Oui. Et les armes seront beaucoup plus difficiles à trouver. Ce genre de choses. Bon, attendez, les gens, je reviens. Je reviens. Ouais. Alors, on a fait un bon petit tour, là. Hein. Je sais pas où on en est, mais on est revenu vers le nord d'Altis. Tronos, et l'île. Voilà, je vais aller juste finir là-dessus. On va aller à Tronos, qui est le point le culminant de l'île, le sommet le plus haut. Et je pense qu'on va finir là-dessus. Apparemment, on peut avoir une bonne vue de là-bas. Ce sera peut-être intéressant d'y aller. Et essayer d'augmenter la vue au maximum. La distance de vue au maximum. Donc, comme vous pouvez le voir, bon, ça reste relativement le même environnement, hein. C'est il y a une espèce d'aspect un peu tchernarussien, j'ai envie de dire. Regardez, c'est des petites, ça peut être pas mal pour s'entraîner à l'hélico, petites éoliennes qui font un peu vieillot d'ailleurs. Donc apparemment Tronos, voilà, c'est le point le culminant de l'île, mais le plus dur d'accès aussi. Alors moi, je vous cache pas, je m'attendais à quelque chose de plus haut quand même. Rebonjour monsieur. Me revoilà. Qu'est-ce que t'as d'autre comme information de la Gamescom? Qu'est-ce que je pourrais vous annoncer d'autre? Ah non, mais comme je vous ai dit sur les jeux du style Watch Dogs, tout ça, on n'a pas trop de nouveautés. Hein. Ça reste ce qu'on nous a présenté à l'E3. Donc à ce niveau-là,
ce niveau-là, quoi. Quel jeu? Bon, moi, The Crew, que je trouve décevant par rapport à la. Crew. Ouais, The Crew, qui est le premier jeu de voiture de Ubisoft, Ah oui. qui a fait une présentation tout à fait remarquable, mais qui, malheureusement, au niveau du gameplay, je trouve ça un peu. Je trouve ça moche. Mais encore une fois, attendons de voir. Ok, alors pour info, je viens de vider la moitié de mon plus de la moitié de mon kérosène pour faire ma petite balade dans l'île et j'ai pas tout lu. Ah ouais, ça baisse plus vite le kérosène alors. Tronos. Oui, ça en fait, hein, ça baisse beaucoup plus vite que dans les autres armes. Alors, ils disent que c'était le point culminant, Tronos, mais je vois Ah si, d'autres montagnes je sur peux l'île. avoir des petites informations pour la Xbox One parce que j'ai pas trop suivi la PS4. Je peux dire que le gros net avantage qu'on peut souligner à la Xbox One, c'est Kinect. D'accord. C'est vraiment le truc qui va faire la différence parce que il faut savoir que la PS3 aussi en a un. Ouais, Tu sais, c'est le c'est bon. PS Move, mais bon, c'est pas la même chose. Oui, mais ils l'ont vendu. Il est vendu avec la console, il me semble. Ah oui? Et ouais, j'ai vu bah, dans la présentation, on le voit, le truc. C'est un PS Move ou c'est une Oh, c'est caméra comme un comme. Kinect, mais Ah en d'accord, PlayStation, quoi. c'est une caméra, donc. Ouais, C'est plus je sais un. pas, j'ai vraiment pas du tout suivi, donc voilà. En Ouais. tout cas, il faut savoir que la Xbox One a reçu pour ses exclusivités et ses jeux plus, enfin non, 111 récompenses. Donc parmi elles, on a meilleur jeu de salon, meilleur jeu du salon, meilleur jeu console, meilleur jeu original, meilleur graphisme, meilleur jeu de course, meilleur jeu multijoueur, meilleur jeu de combat, meilleur jeu d'action, meilleur jeu au lancement next-gen, meilleur jeu de l'E3. Donc voilà, ils en ont eu pas mal, plus de 111. D'accord. Donc PS4 avait gagné l'E3, je pense que Xbox One a remporté cette Gamescom. D'accord. Alors, ouais, est-ce que Donc ça. j'ai envie de dire match nul. Ouais. ouais, c'est. Olé, je Ah fais si, sans j'ai un déconner. jeu aussi, Dead Rising, je sais plus le combien, Le le 3. nouveau là, sur la next-gen, ouais, Dead Rising Je 3. savais pas qu'ils avaient fait un 3. Ouais, il a l'air prometteur. J'en D'accord. sais pas Tu plus, avais mais joué au 1 ou 2? oui. Mais moi, je suis pas friand. Mais T'aimes pas? alors, si la grosse nouveauté de ce 3, c'est qu'il y aura de la coop. Ah, ça, voilà, c'est ce qui manquait dans Voilà. Bah, la c'est la Switch. grosse nouveauté, l'arrivée d'une nouvelle. Il me semble que c'est un nouveau personnage et ça sera une femme. D'accord. Voilà. Berk. Oh ouais, bah ça dépend. Ah oui! Ah si, gros succès de cette E3 et j'ai failli pas en parler, c'est Titanfall. Oh là. Qui est uniquement sur Xbox et PC. D'accord. Et c'est le coup de cœur général à la Gamescom, 2013. Titanfall. Ce qui est un mélange. Je sais pas comment le décrire, mais c'est le coup de cœur de tout le monde à la Gamescom. Ah Et oui? ça sera uniquement C'est sur quel genre Xbox. de jeu? C'est un mélange entre Battlefield, enfin au niveau du gameplay, après le jeu n'a rien à voir, mais c'est un mélange entre Battlefield, Call of, c'est aussi nerveux, c'est... Je saurais pas t'expliquer, il y a des robots, il y a des humains, D'accord. mais c'est très joli, c'est très nerveux, et c'est très sympa à jouer à ce qui paraît, c'est très fun, et c'est le coup de cœur général. Beaucoup de youtubeurs et même beaucoup de gens sur internet en revenant de la Gamescom ont souligné ce jeu. Donc à D'accord. surveiller, Titanfall, voilà. Jeu à surveiller. Ok. Bon, bah, moi, je vais arrêter là ma petite visite de Tchernarus. De. D'Atis. Voilà, Datis. Et puis voilà, ça fait une longue vidéo quand même. On aura parlé un peu de tout et C'est n'importe bien, on quoi. aura apporté des. Non, des informations. Oui, non, de tout et n'importe quoi, je veux dire de choses diverses, c'est ça que je veux dire. Surtout que là, je suis à court de Kero et je veux pas tarder à me cracher si je continue. Bah écoute, Charles, merci pour toutes ces précisions. Mais c'était avec plaisir. Et puis, moi, je vous dis à plus les louloutes. Allez, Charles. peace out. Charles, tu dis pas au revoir? Si, peace out. Motherfuckers!